plusieurs éléments nous indiquent un dynamisme actuel et à venir sur l'industrie 4.0 en Italie. Premièrement, la relance globale de l'économie italienne et un rebond substantiel de la production industrielle après la crise. Ensuite, cette crise a permis une augmentation de la sensibilisation aux enjeux du numérique et des intentions d'investissement pour un pays qui était jusqu'à présent en retard sur la transition numérique, notamment dû à une faible culture digitale et une fragmentation des filières. Mais la dynamique est déjà présente. En 2020, malgré la crise, le marché des applications pour l'industrie 4.0 a augmenté de 8%, avec 60% du marché qui concerne l'IoT industriel, 17% les analytics industriels et le cloud manufacturing et l'automation avancée qui ont tiré le marché. Un marché de l'industrie 4.0 dont les prévisions de croissance sont estimées entre 12 et 15% pour 2021. Et pour rejoindre les objectifs de transformation et catalyser les investissements, le gouvernement a mis en place le plan Transition 4.0, qui est un des piliers de la relance, du plan de relance italien, et qui consiste en des crédits d'impôt pour les investissements en biens matériels, immatériels, la formation et la recherche et innovation sur les thématiques du 4.0, afin de provoquer une transformation à 360 des entreprises industrielles. L'industrie du futur, c'est la digitalisation des processus de production. Ça permet de maximiser sa croissance, réduire les coûts et gagner en productivité. Cela offre des services, des produits, des expériences personnalisées qui engendrent des nouvelles sources de revenus. C'est un enjeu stratégique pour les États et notamment pour la France. On en veut pour preuve le plan d'investissement de 30 milliards d'ici 2030 voulu par le président de la République. C'est dans ce cadre que Business France propose aux sociétés françaises du secteur de les accompagner sur des événements comme des programmes d'accélération ou en participant à des salons comme la Foire d'Hanovre qui s'avère être l'événement incontournable du secteur. Dans ce contexte, les profils de sociétés françaises à privilégier sont donc celles qui peuvent apporter une valeur ajoutée significative sur le marché, car celui-ci est très concurrentiel, celles qui offrent des solutions pour la transition des entreprises vers l'industrie du futur, et de manière préférentielle, des produits qui sont facilement intégrables par les PME industrielles italiennes.